Bonjour tout le monde, Mitra Pneuma de l'équipe de Nintendo Alert et on se retrouve pour devinez quoi, un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Et voilà, là je vais vous montrer parce que c'est un unique, c'est Radolet l'excentrique. Et donc il est sur, pour moi, j'en démarre pas, l'archipel de Lefteria. Même si dans Xenoblade Chronicles 3 on appelle ça Cadencia. Pour moi ça ressemble vraiment beaucoup trop à Lefteria. Voilà, c'est un nouveau monstre. Moi je l'avais pas vu dans les opus précédents. Sur une espèce de chenille à cornes qui est, moi, je le trouve plutôt mignon. D'ailleurs on dirait un peu qu'il a des corps cristal sur lui. D'ailleurs vous vous souvenez que dans le 2 certains mobs avaient une lame hein, au grand désespoir de Tora. Bon, il est beaucoup plus simple que ceux que j'ai pu faire hier, qui avaient plusieurs niveaux au-dessus du mien. Et bien ce chronomètre, en New Game Plus, on aime toujours aller battre ce chronomètre qui forcément est plus facile à battre en New Game Plus. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer pourquoi, c'est juste logique. Sauf si vous choisissez une difficulté au-dessus. Là aussi, c'est logique. Les uniques, je les aime beaucoup parce qu'ils lootent des trucs sympas. Et surtout, souvent des nopons, des doublons nopons or. Allez, un enchaînement. Avec mon héroïne préférée pour l'instant, c'est-à-dire Monica. Pas mal la réactivation. Ah, les uniques, même s'ils sont pas mal de niveaux en dessous du vote, c'est toujours sympa de les faire. Ça vous permet aussi de vous entraîner sur les enchaînements. Thank you.
Noah, j'ai l'impression qu'il a la voix de Shulk et de Rex. Faut que je regarde qui a doublé, qui est l'acteur voix. Bon, ils ont pas mis Annihilation, mais assez long, hein, ce que je raconte. Du coup, voilà, un unique. On va peut-être repasser sur la quête de héros. Alors, bah, on y est déjà. Alors, sur la mer d'Eritia, le groupe tombe nez à nez avec un Mebus nommé Triton Orange. Vous voyez la simplicité de la carte. Oh. Ok. T'es juste derrière. Alors, vous voilà les marins d'eau douce. Alors, le défi pour cette île est simple. Montrez-nous vos muscles. Nos muscles. Bienvenue à l'épreuve, loup de mer, les profondeurs musclées. Bon, ils sont tous plutôt faits comme des cure-dents, à part Lance, donc montrez-nous vos muscles. Alors, ce coin est plein de sales bestioles qu'on appelle, les gars, que vous allez devoir en battre 4. Et tout naturellement, la première équipe qui parvient remporte ce défi. Qu'est-ce que vous fichez encore là? C'est... Ouais. Oh là là, j'en peux plus. On va montrer à ce bourbeux qui sait le patron. Est-ce que c'est celui qui ressemble à un requin qui m'avait fait peur hein? Ah oui, c'est ça. Effectivement. C'est vrai que c'est pas le plus beau que... On croirait les requins dans Resident Evil, là, les espèces de requins zombies qui me faisaient si peur. C'est vrai qu'ils sont affreux. Ça aussi, hein, ce sont des nouveaux mobs. Hein. Croyez-moi que je les aurais pas oubliés. Hein, sinon. Ça aurait été dommage qu'ils nous les mettent tout près. Something so valuable here. Ah puis alors ils lui ont fait les yeux rouges, il est flippant. If only you didn't charge off on your own.
Ce sont pas tous, bizarrement, parce que là j'en vois, mais là ils ont pas les points d'exclamation. C'est certains choisis. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. I'd say we were moving in sync, right, Tyle? Hop. And we're done. I saw it all. Maybe you aren't such landlubbers. I'm afraid that means you lose. Looks like you're all mouth and no trousers, eh, Captain? Look at you. You're knackered. Who's taking the handicap now, eh? I must have ate a bad shrimp or something. That be all. Now on to the next one. J'ai sûrement bouffé une crevette avariée ou un autre truc du genre, c'est tout. D'accord, ok, d'accord. On croirait celui de Pirates des Caraïbes, David Jones. Who's backing out? We're the ones kicking his ass. Alors, où est-ce qu'il s'est TP? Tous les coups dans un truc. Ah non, non, je peux y aller. J'aimerais tellement, en fait, pour ceux qui n'ont pas joué aux deux, vous faire un parallèle, là, vous montrer, en fait, l'Efteria, enfin, comment c'était avant, parce que pour moi, c'est l'Efteria, before, after. Ah, il va y en avoir combien de défis? Vraiment. Donc il faut qu'on aille à un camp de pour discuter de. Oh. Je trouve ça tellement pas utile quoi. C'est sûr qu'à ce rythme-là, ça rallonge le temps de jeu, hein, mais ouais, enfin. No one can fight on empty batteries. Eh ben blablaton, en sachant que je vais de toute façon passer la scène. Voilà. Alors, il faut... Alors celui-là pour... Ah parce qu'il m'en manque un, et celui-là parce qu'il me faut récupérer... Ouais, je suis pas pressée. Je pense pas qu'on puisse monter de niveau. Ouais, comme quoi. I definitely feel stronger. Les gemmes. It's done. Shall we try it straight away?
c'est tout. Will that be all for now? All right, everyone. Time to tous les coups, ça va être celui le plus loin. Je regarde parce que ceux-là, normalement, ils avaient un. J'ai cru voir qu'il avait un point d'exclamation. Donc il est censé loot des trucs. Mais... rien loot. Oh, d'accord. Ah mais... C'est quoi ces énormes... bestioles? Noix de coco succulente. Ah. Franchement, il tente hein, l'unique. Hein. Je veux dire, pourquoi pas essayer. Mais quand je vois tout ce qu'il y a autour, il y a un point de TP ici. Le problème, c'est qu'on peut mettre qu'un marqueur, il me semble, sur la map. Il me semble que j'en, non, il me semble que j'en avais mis plusieurs et que ça s'enlevait. Tu vois. Oui. Donc. Je vais le laisser là. Qui arrivent tous en même temps. Oula. Oula. Il y a l'espèce de tic sur patte. Oh. Ça va pas être simple. Hein. On va aggro tout le monde. Quand il n'y a pas le niveau, il n'y a pas le niveau. Certains mobs, ça je vous ai déjà dit, certains monstres sont plus abordables même en unique que d'autres. Après il y en a qui vous foutent plein d'handicaps, qui tapent hyper fort. C'est pas possible. Enfin si c'est possible. Tout est toujours possible là. Je crois déjà que le 72, là qui est pas unique, il met des bons coups. You guys, got you covered.
Hammerhead! Demon Slayer! Little tough. I can help. Wait! Monica, there's nothing getting dusted! Thunder! Steel! What? Hammerhead! This isn't like this. I need you, Mio! Not now! I can help you. No. Ouais, il est pas facile à battre, c'est pas un unique, hein. This is something decent, right? On va essayer de l'éviter pour le moment. Les ours, j'arrête pas de voir des points d'exclamation rouges se mettre au-dessus d'eux. À mon avis, il faut se mettre à côté d'eux au bon moment. Enfin, c'est pas... Ça offre l'importance des uniques, c'est que ça offre des points de TP et c'est vraiment non négligeable. Ah putain, on retourne au bateau et il est ultra maniable. Ils sont pas contentés de défoncer Uraya, ils ont défoncé Lefteria. C'est d'une tristesse. Puisque Lefteria c'était quand même protégé, hein. Ils ont intérêt de s'expliquer, hein, à la fin du jeu. J'ai vu qu'il restait une compétence de héros à apprendre. Je me demande, moi, comme je vous ai dit hier, je pense que ça va peut-être être un truc avec l'eau, la cascade en mode Zora de Breath of the Wild pour remonter les cascades, j'en sais rien. Et il en reste une. Que les cordes, grimper, ça de ça. Il reste une compétence à apprendre. Je me demande dans tout ça où se trouve la maison de Corinne. This one's got character. Shall we tango? Bon bah voilà. Donc un unique. Et qu'on va faire parce que ben, parce que c'est un unique. Et parce que point de TP. Parce qu'on aime bien ça. Un Marfa vertueux. Alors pourquoi vertueux, on ne saura jamais. Il est vertueux. Peut-être qu'on aura son frère
qui est pervers. Pour moi, les Unix, c'est vraiment ce qui fait tout le sel de ce jeu, hein. D'aller taper des Unix qui sont vraiment un challenge. Là, je trouve que ça, c'est encore un avis personnel, mais c'était quand même vachement plus pointu les combats dans les précédents opus. C'était vraiment challenging. Hein. Allez, un enchaînement. Jolie réactivation. Ça, c'est assez frustrant. C'est quand on en lance un et qu'on se dit bah, il va faire plus que, par exemple, je sais pas, s'il annonce à 70, on espère qu'il va faire du 75, du 80, il fait pas. Et quand on en lance un bas et qu'il dépasse de beaucoup ce qu'il était censé faire, ça nous met à 100, c'est pas ce qu'on cherchait. On cherche le 150, le 200. Enfin, de toute façon, il est mort, mais. Je vous répète, hein, les Unix, c'est toujours à faire pour justement s'entraîner sur les enchaînements. Surtout voir avec vos différents héros, celui qui vous convient peut-être le plus. Voilà. Oh, on a une... notification de rang supérieur, mais je pense pas que ce soit des rangs de classe à vérifier.
Non, mais c'est... Alors, à gauche, en fait, là, c'est Lefteria. Il n'y a pas... c'est pas Cadencia, c'est Lefteria. Ou alors, ils ont repris les mêmes décors. J'essaye vraiment de deviner. Vu que à la fin du 2, voilà, les titans sont tous regroupés... Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est encore l'être humain qui a foutu le bordel. Je vois que ça. Hein. Encore partir en guerre ou Dieu sait quoi. Quite a rare sight. Topographical info updated. Ah. On a une vue assez globale là sur Lefteria Cadencia. On est très très loin de ce que c'était dans le 2 où c'était ultra coloré et, verdoyant. Oui, ça, c'est clairement un des îlots. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Godzilla contre King Kong. J'ai jamais regardé de film, ça m'intéresse pas. Et c'est... C'est clairement ça, quoi. C'est Godzilla contre King Kong. Et il nous demande de prendre parti. Mais moi, je veux pas prendre parti. Je n'aime pas plus l'un que l'autre. Enfin, il y en a qui a des doubles nos ponts, donc... Allez. Mais je tiens à préciser que je n'ai aucun parti pris entre Godzilla et King Kong. Je les aime bien tous les deux. Il va nous dégommer. Oh punaise. Je sais pas pourquoi on s'est mêlé de ça. Ouais, ce qui arrive quand on se mêle de ce qui ne regarde pas. On se prend une raclée. Il vient de nous mettre son coup de queue là. Il est... Bah, c'est un peu comme ceux qui avaient dans les gros dinosaures qu'il y avait dans le 2. Il te mettait un coup de queue, hop, t'étais OS. À Temperantia. Pour les initier. J'ai pas l'impression que le Godrill tabasse beaucoup. Non mais c'est... Voilà, ça te met les deux. Des problèmes entre Godzilla et King Kong. Faut les laisser se débrouiller. Ou revenir avec un niveau plus... plus haut. En tout cas, ça rigole pas. Mais ça, typiquement, ce genre de monstres, je commence à les regarder soit en endgame, en endgame, quoi, quand j'ai bien monté, ou en new game plus. Ça sert à rien d'aller faire du Die and Retry, hein. C'est pas un Souls. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Hein.
t'as plus envie de prendre parti pour le Godrill, hein, tu m'étonnes. On avait les T-Rex dans le 2, alors là, je sais pas trop quelle race c'est ceux-là, ouais. Ils sont pas jolis. Clairement inspiré de Godzilla. Hein. Non, ils sont toujours en train de se battre. Vous pouvez éteindre la Switch, rallumer dans 5 ans, ils seront toujours en train de se battre là-bas. Hein. Rassurez-vous. C'est genre blindé de... Alors, je crois qu'on en a aggro un. Mamma mia. C'est ouais. Et tout le monde se fout sur la gueule sur cet îlot, hein. C'est quoi cet îlot? Ah, joue petit. Alors j'avais dit petite main dernière fois, ce qui veut absolument rien dire. Alors, il y a la jouer gros bras et petit bras. Ça existe. Donc joue petit bras, petite main selon moi. Mais, il dort lui ou qu'est-ce que. Il dort. Tout le monde se fout sur la gueule et t'en as un qui dort. On va pas le réveiller, hein. C'est pas vrai. C'est quoi cette île? Je sais pas trop ce qu'on foutait là en fait au final. Il aurait peut-être fallu mettre un marqueur pour souvenir. Et on va pas le retirer celui-là, on va le laisser. Vous verrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Je crois qu'on va focus là sur, la quête principale et pas aller se mêler de ce qui ne regarde pas. À mon avis, il va nous redonner un truc à faire. C'est une quête de longue haleine. Coco, j'ai vraiment ce genre de choix. Hold it there, V. Ah, Captain, you're a little late. Who do you ask for? And hey, we were first. Get settle down. We're not concerned with who. Fine by me. Bring it on. C'est un peu bizarre ce Meubius là qui vient en mode je relève des défis, je fais mes muses. Pas trop de sens. Peut-être que c'est pas vraiment un Meubius. Parce que c'est quand même une quête de héros donc. I can't give either of you the point if you bring this. You best be. Surely you can see. A coconut is a coconut. I'm not gonna play favorites. Ah, just. We'll settle things on Cape Ark. I'm not sure I can keep up with that energy of his. It is a bit much. Ça doit pas être un Meubius, hein. C'est peut-être un
Un héros caché, je sais pas. Je pense qu'un Mobius viendrait faire un des défis à la quête à la noix de coco. C'est sûrement fait dévorer par un monstre quelconque. Ils ont une empathie folle. C'est ce que je pensais. Hein. C'est une longue quête. Et en plus, à choix multiples. Qu'est-ce qu'on en sait? Du coup, l'aligo requin, il est tout de suite moins effrayant hein, quand on a vu l'autre flippant. Hein. Guests, what's up? We want to know. That's no good, friends. You're supposed to be taking down that monster. No, you'd scuttled off somewhere, so we had to get the deets from someone else. Well, that's no good then, is it? If you waste time here. We followed the tracks here, you numpty. Ah, we got more tracks here? Oh, my. We better follow. Good luck, friends. You best not hang about. Good to add more names. I think I could stare at that forever. Oui, point d'exclamation, il lâche des trucs, hein. La lotte colorée. Ça, j'adore quand ils font pop les monstres. Ah ah. Alors le Godrill d'Arcafor. De toute façon, on dit jamais non à une. On a 20 niveaux au-dessus, ça va le faire. Hein, pas d'inquiétude. Cruncher. Where are the others? No sign. Right. Yeah. That buffoon's going to. C'est pas une quête FedEx là, c'est une quête colis privé. Hein. On sait quand ça part, on sait jamais quand ça arrive. C'est long. Thank you.
Well, lucky devils. The big lug still isn't here. No. Friends have come back before arrival of Captain. Have to say, Captain is not most punctual. Ah! Don't tell me we're pipped to the post again. Captain! Captain is late. It's never a good thing to make guests wait. It gave us a little trouble, but we handled it. We were well ahead of you. Winners of contest are honored guests! Man of the Sea, Triton's Triple Challenge, Part 4! What? Mais il va nous lâcher, lui. The last challenge be a good old punch-up. The winner gets, what do I need? 7 points. What he said. Good. Now, put them on. Il nous saoule, David Jones. It's called the Triple Challenge. Yes, we agree for once. What happened to a man doesn't go back on his word? Une femme non plus, d'ailleurs. Hein. You be right. He doesn't. But a man always wants more. Ça, non, ça nous, non. Ah, this clod. What crud is he starting now? Comme tas de conneries. Arrêtez avec vos brasiers. Conneries. Oh. Lance. Huh? You better pay attention. Man of the Seas, sucker, punch! Lance, you okay? What a bloody unhanded way to start a fight, asshole. Il dit salopard. Je veux dire, pourquoi on se tape des brasiers? Ils sont pas bien. Hein. Sorry, Captain can't be stopped when he gets like this. Friends, watch out or get sucked into Captain Tornado. Je supporte plus. Je supporte plus d'un brasier. Playtime's over, matey! Lâchez-nous les gros mots, bon sang. They take you all out at once. Oula. Je pense pas qu'il va nous rétamer, hein. Enfin, il faut toujours essayer. Allez, let's go l'enchaînement.
PS3 ou de la réactivation. Je peux pas faire 7% de plus. Voilà. Enfin. So it's settled, right? We totally won this bloody thing. Man, what a real mudder of a Brasier, quel bourbe. Oh, my aches have aches. Même mes bleus des bleus. You've bested me. You ain't half strong. It wasn't exactly one-on-one. To be sure. I'd have beaten any one of you in a fair fight. But I feel no ill will. Bizarre comme Mobius. Been a while since anyone knocked me down. Well, I'm feeling all kinds of ill. He's nothing sucker punched me! I have a question. If you're a Mobius, you could have transformed at any time, right? So, why didn't you do it? Ah, young'un. Only thing I trust are these old bones and my own two fists. In a brawl, anything else kind of takes me. Ah, ça y est, c'est le moment où on découvre que même chez les Mobius, il y a des gentils. I think. Ah, truth be told, I've been alive so long. D'accord, il me semblait que quand j'avais vu sur les héros à débloquer, j'en avais vu un assez imposant qui me faisait penser à un des Mobius. Un des gros Mobius. Là. Sans faire de grossophobie, hein. Un Mobius imposant. Come on. I think it's a bit early in our relationship for that. If I let this get away from me now, I might not remember again. I gave up thinking ahead long, long ago, see? Well then, what is it that you need? Ah, well, I want you to smash that big old shiny thing. Ouais, un Mobius gentil qui demande, qui leur demande de niquer le cadran vital, ok. Wait, do you even have a clue what you're saying right now? I've been waiting for this moment. For that thing to disappear, see? Are you really sure? Yeah, tear it down, says I. Well, I'm around to watch it happen. Oh, Monsieur Plissé. Here we go. Colonie 15 libérée. Les Mobius sont en alerte 4. C'est un gentil Mobius, voyez. Are you sure? Now you boys and girls might not be understanding this. I've been a Mobius for a long time, seen and learned a lot about. The thing with death is, it doesn't care about your feelings. It just comes. Now I've seen people who lived short but full lives, people who cling to every last bit of life. I've encountered so many people, I've lost count. But good or bad, they die while I carry on. But of course that's going to happen. If I'm going to accept things just because that's how they are, then maybe watching the way they lived, I ended up thinking, one, something fun, maybe something stupid. Fun? Sure. I think about Dougie, best strong man I ever saw, or Serena, nobody loved to see like her.
ghoul. I knew all sorts of spirited folk, but no matter who they were, the flame clock would end up being I wanted to do. Si vous entendez des ronflements à côté, sachez que c'est pas moi. You mean you tried to do it as a Mobius? Aye, but nothing came of it. That's when it really hit home that I was I couldn't destroy. Donc voilà, on va sûrement tôt ou tard se faire des alliés chez les Mobius, sûrement lui d'ailleurs. Around about the time I gave up thinking about anything, I started hearing about us. Yep, some idiots going around beating up Mobius, smashing up Fleck. Need I explain any more? I knew you were the ones who could release. Well, we did do that. Indeed. I suppose you could say that us destroying the flame clock set your friends free, but that doesn't mean that your friends would have got the same lease on life as Mobius. You don't have come out with some trite for us. T'es brasier de banalité. For us? My name is Tyon. I be talking about in here. The heart? You mean like ouais, donc ça, c'est bien ce que je disais. Ça ressemble vraiment à un corps cristal. That's right, girl. Que je disais dès le début. Je vais essayer de voir l'explication between you and your underling. I think you know the answer, boy. We be equal now, not tied to each other by time or who be up. Equal. I, me and ye are equals. We. So, what will you do now? Good question. I reckon I'll find the next big beastie and beat the snot out of. Huh? Ah voilà, bah ouais, il nous rejoint donc. Really think I'd be fighting Mobius. You mean you're joining us? Yep. Alors, à mon avis, va être avec Lance. I mean, you are pretty tough. Wait. Ça serait logique, hein. Did you forget where you were born? And he's Mobius. You're gonna go against. Senna, peut-être. Too right. You could live a I may like an odd scrap with some tough ones, but going on some idiot. What do you think? He doesn't seem the type to have any ulterior motives. There's one. I've a debt to pay ye, and I've decided I'll. Otherwise, ye softies will get knocked down by the next breed. And not because you're planning on punching up. Nope. When I've a problem with somebody. I mean, no. You definitely punch me. I've asked with your pesky details. Come on, just. All right. You convinced me. You sure? You can't say you hate him after listening to all that. That's true. Okay. Glad that didn't take long. I like a good snappy decision, so I do. But if you put one foot wrong, we're kicking you out faster than you. Ha ha! I shan't, Croc. Just you watch, boy. I got my own special power I can help you out with. Ah, j'ai un pouvoir bien spécial qui va vous méduser. C'est lui peut-être qui va nous donner une nouvelle compétence. Avec l'eau. Mene, what happened to Flame Clock? Oops. Guess I'd better relay the tale. Oh, one last thing. Huh? I got feelings deep as the sea, which I like to pound into some tough end. Now I want to fight forever. When I became a Mobius, that's when I realized that one human life would always have felt too short. I've lived my life in fear, worried that it was too short. But now, a quick scuffle with ye all has helped clear things up for me. I really felt. I'd be grateful. Thanks to ye. Get out of here with all that, man. Ha! You can. C'était long, hein? Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. De classe. Ouais, Lance, hein, c'est bien ce que je pensais. Alors, classe de Triton. Classe pirate des armes, rôle combattant. Faut obtenir des arts et compétences. Ah, sympa ça!
peut obtenir des arts et compétences des monstres uniques, ce qui offre une grande polyvalence en fonction de l'ennemi affronté. Donc un héros à mettre lorsqu'on part à la chasse aux uniques. Triton possède lui aussi des arts et compétences uniques qui lui permettent d'augmenter sa puissance d'attaque de différentes façons. Cela en fait un combattant explosif. Il a cependant oublié la plupart des capacités acquises au cours de sa longue existence. Il ne lui reste donc que les arts et compétences qu'il utilisait le plus fréquemment. Cette classe ne permet pas d'assigner à vos personnages des arts et compétences maîtres, mais peut acquérir des arts ou compétences en vainquant. Ouah, c'est super cool ça! C'est-à-dire que quand on l'a, en fait, ça nous permet d'acquérir des arts ou des compétences lorsqu'on va buter des monstres uniques. C'est sympa. Ces arts et compétences s'amélioreront sous certaines conditions détaillées dans la liste des contrôles d'âme accessibles en appuyant sur Y dans le sous-menu héros. Les pirates des âmes peuvent changer de rôle en utilisant une compétence de rôle. Tenez compte de la formation du groupe et passez d'un rôle à l'autre selon vos besoins. Sympa. Donc voilà, on a un nouveau héros. Là, on va prendre le temps d'aller voir ce qu'il apporte. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye les amis.